Aïe, bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zebus. Qui tant bien que mal essaye de pas se faire wipe. Et je vous avouerai que c'est pas tous les jours facile. Head down, une petite chasse à la flèche de pierre. Hey, on est 9. Bouddhatom 5. Le nouveau tireur, 56, une étoile, on va peut-être pouvoir négocier avec lui. Il y a peut-être quelque chose à en faire, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Démonter des gens, tout ça. Alors, Lukimi, on a trouvé une spire de milice. Du Webneck. Franchement, dans la pampa du Webneck, ça se prend, hein. Est-ce qu'on a mis une petite... Ouais, on peut frapper au corps à corps avec sa hache. Avec le dueliste, là, Hildebert, il va devenir quelqu'un. Il va devenir quelqu'un d'important, je le sens. Allez. Question de leur péter la gueule. Oh, bien, petite position surélevée ici. Alors. On va rester là, en statique. Eh, c'est du squash. Putain, vache, ouais. C'est vrai que quand on a que 56 avec un arc, c'est... C'est complicadu. On va avoir un peu plus. Voilà, 64, c'est bien. On va bosser un peu celui-là. Parfait. Alors, on va mettre le mur de lance. On va pas se poser de questions. Et on va espérer qu'elle s'empale. Cette position-là va être chiante. On va se mettre Rollo ici. Il faut qu'on évite qu'il y ait du monde au contact de notre tireur. Alors. Ok. J'ai envie de dire normal. Putain. Voilà, on libère un peu le devant, on va venir protéger derrière. On fait des trucs. Ça c'est bien. On va venir se mettre là. Pour louper. C'est laquelle qui a faibli, c'est elle. Les petits javelots qui me font du bien. Sans pâle. Terrible ces éoliennes du futur. Exactement. On n'en parle pas assez, hein. Pu faire un petit mur de lance encore supplémentaire. On va venir verrouiller tout ça là. Voilà, parfait. On bosse là. On tue elle. Elle va venir nous ensevelir, nous entoiler. Ça devrait le faire. 1, 2, 3, 6. Il y en a. C'est-à-dire qu'il y a encore deux araignées qu'on voit pas et normalement deux spawns. Je pense pas qu'il y ait trois spawns, ça m'étonnerait. Il a pris une bonne position. Vu qu'on est au contact de personne, on va venir libérer les copains. On va zécaler par là. On va détoiler parce que tu touches jamais. Donc autant que tu détoiles rien du tout en plus. Terrible. Hop là, ça c'est parfait. On a touché le 33% qui fait très très plaisir. Voilà. Voilà. Ça c'est bien. Alors, si 8, on a loupé 2 sur 8. Donc ça fera à peu près 3 sur 10 de loupé probablement. C'est cohérent avec les pourcentages. Je ne râlerai pas. Pas cette fois-ci.
On va nettoyer celle-là. Tu es inefficace. Oh, je l'avais pas vue elle. Elle va m'emmerder. Elle va m'emmerder. Elle va grave m'emmerder même. Elle a plus assez de fatigue pour faire le footwork, le petit jeu de jambes. Ok, on loupe beaucoup trop. Ça y est. C'est la fin. Bon, on va passer au cac. C'est un peu dommage, on n'a pas de spécialité, donc on va avoir de faibles chances de toucher. Dommage, même avec la hauteur. On va se prendre un peu de dégâts, ça veut dire, quand même. Ok. Nice, on va pouvoir retirer un petit peu, ça c'est bien. Ok, là on tue, ça c'est cool. Et vu qu'elle a circulé, on a un peu de, on a un peu d'espace pour pouvoir frapper avec notre marteau à deux mains. Et oui, bah lundi matin, peut-être qu'il y en a qui bossent, hein, monsieur le retraité. Moi, c'est juste monsieur le feignant. Je l'aime pas cette position de tir. Ok. Bon, le combat est considéré comme un peu long, c'est ça. 3, 6, 7. Pourquoi on a la vision maintenant ici. Mais on prend. Hein. Bon, un peu de poison. J'espère qu'on va pas prendre trop cher quand même. Hein. Le premier problème de fatigue quand même qui commence à survenir, c'est chiant. Mais c'est la vie. Coupé. Et on est fatigué. Ils sont quand même en lurk, mais écoute, il y a peut-être quelqu'un qui lurk là en ce moment, on ne sait pas. Vous êtes deux. Oh, il a réussi à tout faire d'un coup. D'un coup, d'un seul, c'est bon ça. Pas mal. Voilà, on élimine les menaces. Voilà, ça c'est parfait. Petit problème de fatigue encore et toujours. Hop là, on l'a raccourci d'une tête. C'est très bien, loupé, dommage. Que 45, c'est faible. On n'a plus de fatigue de toute façon. Ok, la fatigue, encore une fois. Ok, elle a prélevé un lourd tribut. Loupé. Loupé. Si je passais le tour, j'aurais pas dû. Ok, un peu de panique, ça fait du bien. Ça dégage. On va voir ce qu'elle fait, elle. Ok, on peut pas. Oh, on a loupé, dommage. Rien. Là, tu connais plus personne, normalement. Il y a eu une rotation complète et entière.
Voilà, parfait. On fait la fatiguer. Qui va revenir à des taux décents. Ben voilà. Alors, il y a eu de... On s'est pris des grosses claques, quand même. Hein. On s'est pris des grosses claques. Je vais te montrer un peu le cimetière. Fort garni, ma foi. En gros, on a Torben, hein, qui a été... Torben et Walter, qui ont été 98-130 jours. Berthold aussi. Donc ça, c'était notre trio. Frontliner pur, avec fast adaptation, parce qu'il était nul pour toucher, mais il tankait. Torben, qui était une boîte de conserve au marteau, mais qui était très efficace. Laissé pour mort. Bah, en fait, le truc, c'est qu'ils ont été laissés pour mort parce qu'ils ont été struck down. Et vu qu'on a perdu la bataille, bah, le chirurgien n'a pas pu la ramener. Et Berthold, qui était le javelinier. Et sur l'équipe d'avant, parce que eux, on avait commencé à les installer, c'était des petits nouveaux, quand on avait l'équipe Mathis, Lars et Nils. Donc, les deux persos de base, plus le javelinier qui était très très fort. Et après, quand tu regardes les autres, une trentaine de jours, donc c'est des gens qui sont restés quand même un petit peu, mais pas trop trop, mais c'était les... C'était Berthold, eux qui sont restés une centaine de jours, qui ont quand même fait le taf, quoi. Donc ouais, non, il y a eu du mort. Entre les deux, on a eu une rotation, on a repris des... Quand on a eu la première défaite, la grosse défaite, Lars, Mathis, Nils contre la Eggs. C'est le chien qui les a tués, ces deux-là, d'ailleurs, j'ai trop la quinte à cause de ça. On a arraché plein de gens, niveau 1. On les a montés niveau 6, et là, on a re-eu une grosse bataille où il y a eu du mort, quoi. Il y a eu de la mortadelle. Donc là, on essaye de remonter un petit peu. On n'a pas du gros niveau, hein. 5, 2, 3, 2... 5, 2, 3, on a un petit 7, je vais garder le signe, avec ses poumons collapsés, mais il est quand même efficace au tir et on ne peut pas se permettre de l'enlever pour l'instant. Toi tu toucheras jamais, toi tu vas partir sur face adaptation. On va pouvoir bosser des choses, putain je passage est niveau de merde. Rollo avec le 3 étoiles, hein. Rollo, bien, bien, bien. Non, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Après, j'ai essayé les batailles de croisade, là. Ça m'a coûté très cher. Hein. Concrètement, les sudistes, c'est pas encore à ma portée. C'est clairement pas encore à ma portée. Les gunners et tout, chiant. Et après, en fait, non, c'est juste les mecs de base. En gros, ils ont 50-60 d'armure et j'arrive pas à les tuer. J'arrive pas à les tuer. Lui, il a un build où il peut faire une grosse frontline, une grosse boîte de conserve. Voilà, il va commencer à toucher, ça c'est bien. La défense, ça me plairait bien. On va travailler sur le Colossus. Peut-être. Alors, retourne à Feldstein. Hop là. Mais bon, maintenant les missions payent très bien, même quand c'est que 7 sug, donc on arrive à gagner suffisamment de thunes. Et j'étais en train de me dire que le petit nouveau. Allait peut-être faire ça pour le renforcer un peu sur le départ. Et on va essayer de lui... on a perdu, on avait énormément d'équipement, on avait beaucoup, même on avait récupéré, on avait gardé quasiment toutes les armures à 110. Et au final, j'ai bien fait quand même. Remarque, attends, on n'a pas un truc à...
Pour les combats difficiles, on va peut-être pouvoir faire ça. Ça pourrait être rigolo. On va revendre tout le reste, bien sûr. On descend en Sandfell. On retournera à Trifon. Et vu qu'on s'est fait éclater sur quelques batailles qui ont été considérées comme des défaites, Krieger. Donc là, on est en une friendly, on est jamais. C'est le plus bas qu'on soit descendu. Et on a été en cold avec Arcon pendant très longtemps. Parce que. Ça a été compliqué. Tu ne montes pas de niveau, c'est un cercle infernal, c'est vivoter sur... Bah en fait c'est le but, mon premier but, je suis jamais allé aussi loin d'un point de vue de jour. Et c'est de survivre, hein. L'objectif là sur Battle Brothers, c'est de survivre, hein. Donc bon. Et je survis pour l'instant. Des Alpes, ouais c'est chaud. Des brigands ça serait prenable, mais des Alpes, il manque un peu de points de vie quand même. On va quand même faire du bénef, on va aller à Tiefen, on va revendre 3 merdouilles. Voir s'ils ont pas des missions peut-être plus acceptables que du 3 crânes. Là le 3 crânes je suis moyen serein. Et j'aime bien, c'est pas... Alors je suppose que dans le jeu à un moment tu peux avoir un effet boule de neige qui se met en place. Mais même quand tu te prends des gros revers c'est quand même faisable et c'est quand même le but du jeu hein. Et c'est ce qu'ils mettent, hein, même sur l'écran d'accueil. Hein. C'est une histoire de comeback, de perte et de comeback. Donc on va continuer à essayer de faire fructifier tout ça. 2 jours, c'est un peu léger. Là, parfait. Les carceaux. Lui, il est cool. Hein. Niveau 2. Très bon équipement, quoi, une très belle hache surtout. Alors, on pourra le prendre celui-là, c'est pas mal. Ça c'est cool. Ça on va le prendre. Ok, ça devrait le faire. Ce sont les events aléatoires. Bof. Pas plus qu'en early game. J'ai une meilleure bande qu'en early game et pour l'instant, j'arrive quand même à continuer à avoir des combats qui soient gérables. Le seul souci, c'est que je peux pas encore partir dans la Pampa pour aller nettoyer des camps et avoir de l'équipement de très grosse qualité, quoi, tout simplement. Ah là, le 93. C'est pour ça que les armes de jet sont tellement fortes au début. Ouais, ok, oui, c'est vrai, oui, ils m'ont un peu feinté, là. J'avoue, ils m'ont un peu feinté. Pas grave. Le but, c'est de tuer lui. Très efficace hein, quand même. Ça c'est pas grave, lui on va le démonter au cac. Et là on a quand même du tir facile. Parfait. Tu sniffes moins du nez, tu n'as plus de neige. N'oubliez pas les enfants, la neige est mauvaise pour la santé. Hop. Très bien. Parfait. Hop, excusez-moi, ma voix m'appelle.
Salut au ref. Eh oui, je vous vois écrire les gars, mais je peux pas répondre. Malheureusement. Malheureusement. Dans le coup, ah, Carsou. Pour les sourds. Hein. Nous envahissent. Non, il y a que Carsou qui est ondiniste. J'ai pas vu ce qui nous tombait sur le paletot, là. Des Alpes? C'est méga rare, dis donc. Je vais le gérer comment, celui-là? Lui, il va passer un mauvais moment. Il n'y en a pas un... Je peux pas les engager, en fait. On va attendre que ça se déplace. Quoique s'il frappe... Ah non, il va pas frapper, non. Non, il va pas frapper. 1-2. Eh, quoique, je peux peut-être réussir à le... Quoique, je vais rester paqué pour pouvoir me réveiller. Ok, par exemple, lui, on peut le défoncer. Lui, il va passer un... Ouais, lui, il va vraiment mourir. Comment je gère ça? On va réveiller les loustiques. J'ai pas envie qu'ils claquent tous non plus. On va se faire deux groupes. On va se faire 9 groupes de une personne. Et on va aller chercher le tueur en série. Nice. Ça, c'est une bonne idée, mon Xebu. Ah, putain, non, je vais le réveiller. Ok, cool. On va rester dans ce groupe-là. Ouais, lui, là, il va vraiment passer un sale quart d'heure. Il attaque de nuit. Oh, putain. Oh, les gars. Ok, parfait. Ils se réveillent entre eux. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'aurais peut-être pas dû m'exposer comme ça. Il va mourir sur l'attaque de celui-là. On a tenté le 42, c'est pas passé. Là, lui, on va pouvoir l'attraper. On réveille. On a une attaque. Descente. Ok, ça me va. Oh! Il n'y en a plus que 3! Des petits enculés comme ça, là. Excusez-moi. Mon langage de charretier. Ok, cool. C'est pas mal. Il y en a un qui meurt. Ils sont en berserk. Quoi, ils sont en berserk? Ils sont tout motivés. Exactement, un talent humoristique hors pair. Ah, il est pas mort, hein. C'est dommage ça. Là par contre on peut avoir des problèmes sur Ferdinand. Non, je vais pas l'avoir malheureusement. Ouais, on va se reprendre une petite patate. On va se rapprocher. Ok, on va se rapprocher par là. Ça c'est cool. Et on va rester là. Oui, c'est comme Novan, certaines plus, d'autres sont plus... Oh, ref. Ah,
Ah, oh, messieurs, messieurs, restez calmes. Ok, on va réveiller les deux loustiques. Je pense qu'ils peuvent, à 3, là, ils sont capables de le gérer. On va voir où est-ce que ça se termine, tout ça. Probablement dans un endroit peu recommandable. Ils sont deux, quand même. Ah, non. Là, lui, ça lui a fait bizarre, quand même, là. Je tente le hold-up. Le petit 32, ouais, on l'a tenté, mais c'est grave, je crois pas. Lui, il se repose. Il faudrait que la, quand il dorme, il faudrait que la fatigue retombe vraiment à zéro. Ça, c'est pas cool, hein. Parfait. On va le réveiller gentiment. Quoique, est-ce qu'on pourrait le toucher? Non. Mais on pense qu'on peut le toucher quand même. Bah voilà! On a pris un peu cher quand même. Ça c'est bien. Ça rapporte de l'argent, les yeux de Alp. Sinon, pas. Allez là! Et c'est reparti! Je pense pas qu'il y ait du poaché là-dedans. Il y a peut-être du poaché là-dedans. Non, il n'y a pas de poaché là-dedans. En gros, ils pourront pas attaquer au tour prochain. C'est quoi, ils pourront, mais il va falloir qu'ils passent le mur de lance. On a quand même une chance. S'il y a du poaché, quand même. Bon, le double 50% qui touche, ça fait plaisir. Non, je n'avais pas testé Phoenix Point. Parfait. Deux de moins. J'ai pas testé Phoenix Point. J'ai eu envie, j'ai regardé, je sais plus qui en faisait. Beaucoup. Et j'ai regardé énormément, ça me plaisait bien. Mais après, c'est le... du genre, c'est le truc du... Comment ça s'appelle? C'était... Oh, c'était un peu plus développé que... Quoi, c'était un peu différent de Phoenix que XCOM, mais... c'était comme entre Mordheim et... Et comment ça s'appelle? Necromunda? Bon, voilà, c'était vraiment copier-coller, c'était pas intéressant, mais j'avais XCOM qui remplissait quand même très bien le rôle. Donc j'avais pas forcément envie d'acheter du nouveau. Donc parfait, on a touché ça. On va laisser s'avancer gentiment, on va garder qu'un seul mur de lance ici. Et là, normalement, il devrait se ruer sur nous. C'était la mode de Phoenix Point. Ouais, exactement. Et là, on va pouvoir commencer à... On va pouvoir déchaîner un peu les enfers. C'est pas mal, ça. Toujours pas. Normalement, les Sugs, on est quand même censé... pas avoir trop de problèmes face à ça, quoi. Coupé. On va éviter de se prendre le stun. L'attaque ici peut faire mal quand même. Là, on va foncer dans le tas un peu pour le plaisir. Bonne question. En fait, j'ai plein de choses à faire. C'est le problème, c'est qu'il y a plein de jeux là. C'est comme j'ai failli lancer du Pass and Danger ce matin pour le plaisir. J'aimerais bien dérouler un peu le jeu pour voir, parce qu'il a quand même 2-3 trucs qui sont rigolos. Tester 2-3 builds hein, pour le plaisir. Mais on peut pas tout faire. Malheureusement, on peut pas tout faire. Voilà, c'est comme ça. C'est dit. Allez, on va loquer lui.
commence à se rapprocher par là. Les deux tireurs, on les a. On joue. Ouais, TFM, ça me plairait bien. Je pense qu'il a, il va avoir un gameplay qui va me changer un petit peu. Et ça sera avec grand plaisir que je vais le tester. Je relance une game de la vraie vie pour voir si j'ai un meilleur jeu. Comment ça? Du genre, tu penses que quand t'es né, t'as pas mis les points au bon endroit sur ta fiche de perso, c'est ça? Ouais, moi aussi, je me dis ça de temps en temps. Si, si, en plus, j'ai eu envie de relancer là sur Urtuk. Mais il faut que je fasse Battle Brother. Il y a Bigadin qui commence vraiment à se chauffer sur Zerbillion. S'il faudrait que je le rentre. Tu vois ce que je veux dire? Et si j'ai lancé la chaîne, c'est quand même pour finir mes jeux. Et il faut que j'essaye, quoi. Moi, je suis entièrement satisfait du tirage initial. Et Stellaris, c'est pour quand? Je ferai pas de Stellaris sur la chaîne. C'est pas du tout le... J'y ai joué. Mais c'est pas du tout le truc que j'ai envie de partager avec vous. Ça me... Tu vois? Comme ça, là. Comme d'hab, le Gifted. Yes. La fatigue est déjà suffisamment haute. On va prendre la défense à distance. Voilà, 63. Ça, c'est parfait. Défense à distance. C'est un petit jeu rapide en plus. Ça te donne des gaz, c'est ça que tu voulais dire? Non, ça ne me donne pas de gaz. Putain, vache. Il y a des lances qui traînent partout, hein, après avec tous les combats qu'il y a eu dans le coin. Mais ouais, non, Urtuk, ça me plairait bien, Zerbillion, il va falloir que je sois capable de le faire quand même à un moment ou un autre. Pour que je m'y attelle comme Battle Bro. En plus, je fais quelques vidéos pour les jeux du signe, donc Shadow of the Forbidden God, là j'ai... un, deux... J'ai le troisième dieu qui est en cours. Il y en aura un de plus après. Il va falloir que je remonte le niveau des armures. Des armures 90. On a une 190. Non, on a une 210. 210. Et on a, en fait, vu qu'on n'a pas de gros niveau, le fait de monter l'armure Wolfram, il va commencer là. Le Battleforge va bientôt sortir. D'ailleurs, il faudrait une vraie armure, parce que 210, c'est un peu lèche pour le Battleforge. Il faudrait ça, l'armure de Torben, ça serait bien. Il faudrait qu'on s'en refasse un. Ouais, en plus je fais du hun de temps en temps avec Mawa parce que ça me plaît bien. C'est le problème, hein, c'est... J'ai un taf, les gars, à côté, j'ai une vie, quoi. Donc là, on va partir en... Pourquoi on part en... Ah ouais, c'est à cause du max fatigue, moins 10%, on part à tirer en Nimble. La vache. C'est... C'est assez beau, hein? Wolfgang the Ox Spine.
Salut Bigada. C'est ma femme, ça paraît sacré, ça fait lourd ailleurs. Parce que le truc, c'est que même si je participe pas à la truc de fin de game et qu'on gagne, moi ça me va. Hein. Ça me va, hein. Le but c'était de survivre à une crise de fin de game, c'est très très bien. Hein. Et après, je relancerai. Quoi, non, je continuerai là-bas. Je pense que franchement, on peut. Si t'arrives à survivre et sans être trop en PLS, bien sûr, tu peux remonter une bande et refaire quelque chose de haut niveau. Ça prend un peu de temps, ça délaye, il faut être un peu patient, mais ça peut le faire. Dans les Alpes, c'est vraiment pas ma cam là. Ça, c'est cool. On va aller côté Attendorn, à E-Whaler. Ça fait un moment qu'on n'y est pas allé à E-Whaler. Qu'il arrêterait de streamer des jeux obscurs s'il servait bien pour devenir un streamer Adibou Only. Ne risque rien car tu te... Ah les enfoirés. J'ai jamais dit ça, Biga, j'ai jamais dit ça. C'est faux. C'est faux. On pourrait se faire un petit bénéf ici. Hein. Ils ont pas de la bouffe à Sandfell qui coûte pas trop cher qu'on irait revendre. Ils vont pas se faire attaquer direct. À chaque fois, on a quand même un temps d'attente qui est assez long. Pas beau de mentir en live. Oh oui. On va revendre tout ça. On va peut-être même faire un petit combat en passant. Normalement, c'est dû à un crâne. Hein. J'espère qu'on aura qu'un seul combat et qu'ils vont pas être trop vénères. Aux armes! Citoyen. Oh putain, c'est en haut. Alors. Voilà, on se refait un peu de sous. Ouais, ça me va. Ils sont au nord, des morts vivants. Oh, le petit nécro de ses morts. On n'a pas de chien. Ne défends pas les pauvres. Il a dit Bigadin, le talent d'un cloporte unijambiste recouvert de pisse dans une urelle de Los Angeles partant de Cadillac. Oh putain. Il a comme trouvé il y a quelques jours quand j'atteins la vague finale. Il a dit qu'il changeait aussi de plateforme de stream aussi pour Adi Boukek. Putain. Bref, fais pas le genre de blague. Un long rire machiavélique. Le spectre. Ouais, putain, la violence, quoi. C'est vrai, je reconnais. Oh mon dieu! Ils sont que 10, nous sommes 9, ça peut le faire. Il y a beaucoup de monde en haut. Je pense que continuer vers le bas, ça peut être une idée, quoi. Ouh, la hache. Je sais qu'il n'y en a qu'un seul qui passe. Hein. Franchement, Hildebert qui passe, ça serait beau. On va juste patienter un peu. Je pense que ça va venir se fixer autour ici, là, sur cette ligne. 37, on va attendre que ça se rapproche. Que ça se rapproche très vite. Oh, mon dieu. La hache qui fait trop mal. Il va le reposséder bizarrement. Non mais loupez pas vos 70% les gars non plus, j'ai envie de dire. C'est risqué.
Ok. Et bah voilà comment on meurt dans ce jeu. Il fallait bien que je vous montre au moins une fois quand même. Non mais j'ai... On a du skill ou on n'en a pas, je veux dire. On va garder la fatigue un petit peu, je pense. Eux, ils vont se déployer à l'intérieur. Ouais. Ouais. Si on fait un trou au centre, on peut sortir. Hein. Si je tourne devant moi, j'annonce que le défi sera plié avant le week-end prochain. T'as pas fait une annonce un peu similaire au début du week-end, toi, Bigard? Hein? T'es aussi bon que tes GFI. Ça, c'est une attaque et c'est personnel. Ah là là. Très sympa. Nice, en parlant de hache. Hachachine ! Je pense qu'on va pouvoir le réduire au silence. Merde. Il faut que je le... faut que je le finisse. Ok, petite possession sur le hachoir. Pas trop vilain. Ah putain, de toute façon on n'aurait rien touché, 97. Loupé. Touche, s'il te plaît. Viens chercher les caramels dans la popoche à papy. Allez là. C'est du 73, c'est pas non plus... La mort du petit poney en 10 épisodes quoi. Ouais, on est fatigué bien sûr. C'est à terre, moucheron. Ouais, ça, ça touche, c'est bien. On va voir quelle blessure il a. Il était que niveau 2, donc bon. Je veux dire, ça va. Ok. Ouais, là, il va avoir, lui, il va avoir des problèmes. Non, le film, d'accord, ok. Il dit pas les fringues, pas les mamans et pas les GFI. Ça fait très suspect quand même. Je vois pas de quoi tu parles, salut Dragna. T'as qu'à couper les têtes. T'as qu'à gagner, mon gars, putain. Ok, petite possession sur, sur de l'attaque de morsure, c'est pas trop gênant. On va retomber à 8. C'est pas gênant. C'est vraiment pas gênant. Il y en a un qu'on voit pas. Peut-être qu'il est là. Hein. Évidemment, peut-être qu'il est là. On a le lunge, on va essayer de travailler avec le lunge si possible. Et faire de la luge, comme ça on va pouvoir l'engager fort. Voilà, toi tu te relèveras pas, mon salaud. La bonne... Ça c'est une bonne possession par contre. Voilà, il commence à douter, il voit ses créatures qui tombent les unes après les autres comme des mouches. Crève!
Kiev, pourriture communiste! Ah non, tu me le tues pas par contre. Hein. J'essaie de récupérer un petit peu. Il nous attaquera plus. Ok, il a loupé son attaque, c'est perfect. Bah mine de rien, ça fait quand même très mal. Alors, brain damage, c'est bien ça. C'est pas gênant, on peut le garder. Git goop noob, git good noob. Allez, on va se faire nos 900 balles. C'est toujours intéressant, j'ai envie de dire. On va aller à Tendorn. Alors, Gisbert a un bon profil aussi. Une étoile sur du 56, les deux étoiles là. Il a un bon profil de duelliste. Et c'est très bien ça. Ah ouf, c'est pas un organe vital. C'est bon, il peut rester. Ah punaise. Bah oui, c'est comme ça les hommes. Y'a rien ici. On va se détendre. On va aller à Sunstead, ça fait hyper longtemps qu'on n'y est pas allé. On prend la caravane, on prend la caravane. Franchement, non, on va se détendre. On va se détendre. Il y a un Skravavax. Il y a le Skravavax. Allez, on monte le moral, là. C'est bon, ça. Fais voir ce que tu vaux, toi. On a pas besoin. On a déjà du tank, hein. Là, c'est du tank. Tu dégages. Tu dégages, il a de très bonnes stats, hein. On a déjà du tank, il nous faut des trucs qui touchent un peu là. Il nous faut un deuxième Torben. Donc il nous faut de la thune. Il faut tellement de choses. Ce serait bien qu'on passe de jour à Eweller. Parce qu'on achetait quand même pas mal de grains. Si on pouvait leur revendre, on va jamais pouvoir leur revendre, on va passer en plein. Il vaut mieux avoir des handicapés du ciboulot, car au moins ces derniers croient qu'ils ont un génie à leur tête. Exactement! Ah, ils ont plus le modifieur. C'est pas de bol, Paul. Bon, bah, on a plein de bouffe. Super! J'ai envie de te dire. Ok, ça a nettoyé. La maison Krieger a bien fait son boulot. Est-ce qu'on les attaque? Non, je pense pas. Oh, Rollo aurait bien voulu se battre. Ah, ça va, Rollo. Détends-toi, mon garçon. Oh, putain.
Les gars, vous êtes pas possible. Faudrait qu'on récupère un chien pour les marksmen. Ok. Ah punaise. Eh bé, ils sont énervés là. Ah, on prend les une chance sur deux. Ah, il a pris sa dose, lui. Hein. Il députe. Prochain, le run paysan. Pourquoi pas? Ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo, le run paysan. On touche rien là, c'est terrible. Les gens en attente. Ah ah, minou, get the flamethrower! Terrible, hein, Mawa ne ramène pas d'argent au foyer. Comment je vais faire pour vous présenter des nouveaux jeux, les gars? Dites à Mawa de retourner travailler. Company of Heroes, tu vois. Attends, est-ce que j'en ai un du genre que j'attends avec... En fait, j'attends l'Empire Mortel avec impatience sur Total War Warhammer. Et... Attends, c'est quoi ma liste de souhaits déjà? Est-ce que j'ai accès à ma liste de souhaits ici? Non, j'ai pas accès à ma liste de souhaits, malheureusement. Si, liste de souhaits. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste de souhaits? C'est vraiment... Dwarf Fortress, bon, non. Orcs. Orcs, je sais pas. Infection Free Zone, vu que ça me ferait bien rire. Plague Lord. Plague Lord, il avait un... Un vrai... Il y a un vrai truc avec Plague Lord, j'ai l'impression. Donc Plague Lord me botterait bien, Squash. Te offrir. Ouais, Plague Lord. Il a fait un footwork, lui, c'est ça? Il a le droit de faire du footwork? Je suis pas trop sûr qu'il ait le droit de faire du footwork. Oh, on a loupé nos 56. Terrible. Je sais pas si c'est dans longtemps. Non, c'est cette année, hein, la sortie, hein, normalement. Si j'ai pas de bêtises. Bêtises. Allez, on fixe. Voilà, c'est parti, on va se battre. Non, j'ai pas testé la démo, je veux sûr... En fait, c'est un truc, c'est comme The Last Spell, j'attends qu'il sorte tout, et je vais me remettre dessus. Mais il faut qu'il sorte tout, je m'amuse pas à jouer à chaque mise à jour, en gros, tu refais les mêmes parties, le jeu, tu le connais par cœur. Et tu prends pas de plaisir à le jouer quand il est définitif, quoi.
Donc j'essaie de faire attention à ça. La bonne riposte, hein, il a une bonne défense en mêlée cet enfoiré là. Ils sortiront jamais. Faut être très patient. Voilà, on va augmenter les chances de toucher. Voilà, là on le détend. Quatre-vingt-quinze quand même. Ouh, la belle épée. Ça me plaît bien. Sortie prévue cet été. Nice. Bonne nouvelle ça. Gisbert, on va lui enlever la lance. On va passer à l'épée. À l'épée. On va faire comme ça. Comme ça, ils viendront se fixer au centre. Tous ceux qui se fixent au centre, donc les deux qui vont être au contact ici, qui sont pas dans les murs de lance, ils vont quand même prendre, ils vont prendre un bon tarif avec tous les tireurs qu'on a. Tout de même. Pour l'embrasser. Oui. Exactement, bref. Très bon jeu de mots. Je valide. Par contre, fasse le plein à Felstein d'outils. Ok. Donc ça arrive, c'est proche de la fin. Arriverons-nous enfin à survivre ? Ah putain. Bon, c'est que des blessures légères, c'est pas grave. Bah ben ouais les gars, quand on marche, on a les pieds qui sont un peu pourris à la fin. C'est la vie, j'ai envie de dire. Il se passe des choses ici, hein. Des choses peu recommandables. Alors pas les Alpes. C'est les Alpes. Alors, on est bien payé, mais vu qu'on a souffert de dégâts au point de vie directement, autant qu'on soit relié en plus de nos armures. Exactement, t'as bien raison d'être con. Alors, ouais, on va essayer de nettoyer ça. Ok. Ok, on y retourne. On a quasiment tout fait là. Petit combat de jour, ça va être cool. Si, y'a que du Sug, après en deux crânes, ça m'étonnerait, mais bon. Non, c'est du mort-vivant. C'est un spawn de mort-vivant. Ouais, bon, ok, on va les attendre. On va mettre 10 ans à venir. Bon, ils sont que 11. Normalement, il n'y a pas de nécro. J'espère pas. Alors, on va passer le tour, sauf avec les tireurs. Parce que je pense qu'on aura peut-être une opportunité de tir quand même. J'ai pas dit qu'on ait une opportunité de tir. On est en range max. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question. On a 4 en armure. Ah merde, ouais, non, laisse tomber. On prend le 68, c'est très bien. Oh, on a touché l'autre. C'est pas mal. Alors, on va pas mettre le mur de lance, on les laisse venir se poser et on les frappe. Ça me paraît bien. Normalement, ils frapperont pas ce tour-ci.
Donc la fameuse stratégie du on a deux tours d'attaque avant que eux y jouent. Dommage. Parfait la décapitation. Evil Dead est sorti, je crois, en jeu, mais il m'inquiète un peu, je crois que c'est un peu comme l'autre jeu Daylight. Evil Dead, ça me dit rien. C'est libérer la place ici, hein, tant qu'à faire. C'est vrai qu'on n'a pas le Quick Ends sur Raymond encore. C'est de soulager au maximum. Il a une grosse hache lui. On jouera assez vite quand même. Voilà, c'est lui qu'il faut qu'on tue. Dommage. Maintenant c'est lui. Voilà, ça c'est bien, on a touché la tête. Il avait pas de protection. On lui a fait mal. Là ça c'est bien. La pioche. On se fait pas abîmer les armures de préférence. Très bien. Très bien. Non, j'ai même pas encore essayé Stackland. J'ai failli l'autre soir là quand j'étais fatigué. Mais j'étais trop fatigué, j'ai même pas joué. Mais je vais l'essayer. Je pense qu'il il mérite ces quelques heures de gameplay. Après, j'ai regardé vite fait une image ou deux dessus. Et c'est vrai que c'est... Il y a un effet boule de neige à un moment sur le jeu. Si t'arrives à le choper... t'es tranquille. Yes, on va pouvoir faire le plein. C'est parfait. On n'a plus de munitions. C'est la vie. Non, je pense qu'on va éviter... Ah, mais putain, ils ont toujours le modifier. C'est dommage. On pourrait se faire un peu de bénéf avec ça, quand même. Dis-moi que tu incarnes plusieurs monstres si tu joues le méchant et que les joueurs peuvent te tuer. D'accord. Bah, retour à Sandfell. Pour récupérer quelques munitions et faire une petite mission, pourquoi pas. Très bien. Alp, je suppose. Non. Oh yes, un petit combat.
Ouais, je sais, mais on peut pas. On peut toujours pas. Putain, vache, ils sont... Ils sont 13. Ils sont 13. Ça déconne pas, dis donc. Voilà, petit brownie. Très bien. Ah, on a quand même une armure à 170 sur Ferdinand. Oh, il y a de l'arme déjà. Ah, ils engagent pas. Putain. Ça va faire chier, ça. Bon, bah, on va se rapprocher. Non, eux ils ont le high ground, moi je l'ai pas, et en plus ils l'ont sur leur putain de tireur. On a eu de la chance qu'ils les loupent. Hein. Prochain tour, par contre, je vais peut-être pouvoir se mater la première ligne avec les tireurs directs. Ok. Parfait. On en a verrouillé deux. Après là, on est pas bien parce qu'on a quand même trop autour de nous. C'est qu'un stun. C'est bien qu'ils viennent là. Oh. Putain, il était à 75% de chance de toucher sur Rollo. Putain, pourtant je suis à couvert quoi. Trop cher là. On va sûrement perdre Hildebert. C'est dommage. Après, il avait pas les stats qu'on recherchait forcément sur un prêteur de serment, mais quand même. Putain, il y a plus d'armure ici déjà. C'était rapide. Oh, mais pourquoi ils avaient 62% de chance de le toucher? C'est beaucoup, je veux dire. Ok, là on va Ok. Bon bah le combat qui se passe pas comme prévu. Pas vraiment. Ok, ça s'enfuit. Très bien. Aïe! Bordel! Ils ont 200 en tir, exactement. Là, le problème, c'est que si on le gagne pas, on a perdu, on perd tout le monde. Eux deux vont tomber, lui va tomber, on tient en haut. J'ai toujours pas la main sur les tireurs par contre. Ah merde, je joue encore à corps là. Oh merde. Ça c'est pas bon.
I will send you to Jesus. Ce tireur. Il va falloir qu'on dégage là. Ouais bah putain. La souffrance quoi. Ah mais on s'enfuit là. Non 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 non, on s'enfuit pas. Pourquoi tu veux t'enfuir? Pourquoi tu veux t'enfuir? Là on va se prendre une patate, non c'est bon, on peut fuir. Là on peut pas fuir, si on a réussi à fuir. Ça devient vraiment compliqué là. Ah ça c'est bien joué de sa part. Tue-le! Il faut que tu le tues. Oh la vache! Ok, un tireur de moins. De base. Non! Non! Ok, recharge, on va pouvoir l'attraper. Chiant, ça c'est chiant. Il faut qu'on l'élimine et qu'on vienne soulager là. Merde. Là, le 42, on va avoir du mal à le toucher. Hein. Tout le monde s'enfuit, c'est le bord. Ah non, il a remonté son moral. Ça joue à rien. Ah, l'autre qui revient, bien sûr, quel bâtard. Ça, c'est bien joué. On va mourir, voilà, et on s'enfuit tous. Putain. Oh, ça a été... Ça a été dur, là, hein. Tout le monde se barre dans tous les sens. Ok, on va juste se barrer. Thank you.
pour se regonfler le moral. C'est pas fini! C'était une mission à un crâne, hein, 350 balles. Hein. On s'est fait maraver. Après, on a de la thune, hein, on peut repartir. Ah là 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 là. Terrible, terrible. Ok. Alors. On va faire nos petites emplettes. On a de quoi équiper 3 personnes. Où on prend Emrad. Niveau 2. Il est trop fort! Il est trop beau! Alors. Hop là. Militiaman à 370, c'est quand même pas mal. Elmer full beat. On a 4. On va monter à 6. Hein. Et on va prendre le petit background là. On va voir un peu ce que ça nous donne déjà tout ça. Toi, tu sers à rien. 61, c'est pas mal. 41. On n'a pas d'armes de jet. Genre. On a des armes de jet. On a une armure de plus. Ok. Ouais, je sais pas. Toi, je veux te sauver. Toi, tu vas avoir le meilleur équipement possible et imaginable. On lui met une lance, faut pas déconner. Vous allez tous avoir des lances, de toute façon. Toi, j'aimerais bien que tu t'en sortes aussi un petit peu. Bon, c'est un peu de briques et de broc, mais ça peut le faire. On va attendre d'être un peu mieux. Ça, c'est bien. On a de la munition. On a plein de bouffe. A Wheeler. Ok. Attendorn. 950 balles, ça ferait plaisir. A Wailer encore. On va en faire une à A Wailer. Un cargo. On va faire demi-tour. Là, on s'est fait péter la gueule quand même. Fort, hein. Ça remet en perspective. Non. Je veux pas aller là-bas. On pourrait peut-être voir à Sandfell, il y a peut-être un tireur, un profil de tireur ou de boyeur avec
avec un peu plus de skill en tir. Vas-y, fais voir un peu ce que tu vaux, toi. 45, une étoile. Il touche à 61, quand même, faut pas déconner. Là. Ça, c'est pas mal. C'est un profil que j'aime bien. On va dire que c'est acceptable. On est trop content, on a rempli un serment. Ouais, t'as rempli un serment, mais bon. C'est quand même une fin de partie pour nous. Non, c'est pas une fin de partie, mais... Ça nous retarde un petit peu. On va faire la caravane. Et on va la faire la prochaine fois. Je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a plu. Je vous dirai à bientôt pour la suite des aventures. Que des coups durs, hein. Ce let's play n'est pas une partie de plaisir, hein, loin de là. Donc prenez bien soin de vous, messieurs, dames. À bientôt tout le monde. Et bye bye. Allez, ciao.